vanité de vanité. Poursuivez-moi. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra comment? Nakosa la nini po nanzoto na ma, asili kosa la pena lemi. Nakosa la nini po nanzoto na ma, asili kosa la.
Akina I Toto Salela Kio Asililuyo Toto Toto Okina Lilito Opesina Tama Cite Nanyosu Salela Toto Nangai Toto Nangai Toto, pesa ki yo. Ma voyage kili kili pousana yo. Toto, masale la ki yango. Asilelo yo toto. Toto, oke ina lilita. Ope singata merci te. Nanyoso, asale li yo. Toto nanga, toto. Oki singa soni Nako sala nini pona nzoto nga Asili ko sala pena limbi Nako sala nini pona nzoto nga Asili ko sala pena limbi Toto singa kinga inyo soe Toto Pesa kio Zoto singa kinga ibana e Zoto Abota kibango Zoto singa kinga ibambongo Zoto Pesa kio Kinuma o singa kinga I Zoto Asala kiyango Kuibato kuluna singa kinga Zoto Asala ki yango Kuiskruke batu tango nyoso nzoto Ngayi Napesa ki yo Kubuma batu tango nyoso na bututu na moyi Toto Asala ki yango Asililo yo toto Toto Keina lilita Besi ngata besi te Nanyoso Sale liyo Oh, zoto na ma Yes, we.
Quelques minutes. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Tolinga qui est un peu pour partager mon kéli. Namukande Ecclésiaste, chapitre 3. Toujours soit deux premiers versets. Bible le Bible. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Bien-aimés dans ce temps, belle. La Bible dit ceci, que dans tout, il y a un temps. Sous les cieux, tout est chronométré. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Avec les deux événements, il y a l'ibosu et zali événement, il y a sengo. Il y a mi-balé, il y a mi-koutani nango. Motonio sasa sous les émotions. Motonio sasa la passe dans mon thème. Mais Bible le bas qui en a déjà. La question est celle-ci. Quels sont les nombres de jours qui séparent les deux événements? La naissance et la mort. Ayez banité dans Motonio. Il n'y a qu'une seule personne qui connaît le secret. Il y a tant d'abisso, il y a comme tama, mais tant d'abisso, il y a koukoufa. Le loto est bien papa, je sais. Parce que salami, il y a nga et ébanité. Il y a yopé nan ébanité. Mais eloko motuya na lina ébisa yon a tongwa lelo. Sale fort, oyeba, ou kalikile mi kolona yon ansé. Bien aimé dans ce souki sa, pour nakotel sa biso. Que loco est un risayote. Si dans la vie, n'engos autant moula, tu sens que autant moli malamouté jusque-là. Luka Yesu, a kota katina fina. Yesu a son ayo. Même à ton boma bat, t'en fais pas. Jésus, il va te pardonner. Attends, ça là, batou, famille mobima, ou éliminant bango. Batou baye bateza, et ça secret katina monte manayo. Dieu peut te pardonner. Il y a l'imbi satanios. Oyo nyoso, akoye painaye, akoye amaye. Aboya kamo toute. Il ne fait exception de personne. Il n'a tongo alelo. Tika oye painaye, akoye l'imbi satanios. Tolobi. Amen. Yope sa kinga net. Opesi biso bana. Zambé. Et on a contrat mariage, et ça qui conclut entre Annette et José. Ce contrat est rompu. Parce que la mort est survenue. Yahweh Nzambe Nangai. Tu causes à l'imote en charge. Sois maman est en charge. La misère n'est pas malam. A continuer Nango. A continuer comme ça la misère la malam. Tu vois papa José. Et le monaté qu'on dit ma katinaye. Et puis qui ça a été qu'on s'est rattaché Nayo. A où me la katikatina liloba Nayo. Yahweh Nzambe. Pesa et ma kas. La Seigneur pesa et ma kas. C'est la âge à Bana Oy. Bana Bazana en affection et papa na bango. Bazana besoin d'affection à parents. C'est le papa parti. Je crois qu'à un certain moment, ils poseront la question un jour. Où est notre papa? Zambé Nanga. Zambé Nanga. Zambé Nanga. Zambé. Zambé yo, Zali papa va en faire. José est parti. Nous
Longola, Alliance Oyo na Mosapi ya Mamane. Tozo kata kota. Mamane. Azozo na celibate. Na bokonjo yo pesingai. Alomina kaboli bango na kombo na Jesus. De la même manière, tu as un mariage. Et de même, tu as un Yango. À la suite de la mort de Papa José. Et là, comme mon côté, il tourne en tête, Kimia Katinango. Pongi n'est pas la Pongi à Kimia. Bisonamo qui l'a contact des athées. Pour précédent, j'interdis tout cauchemar. J'interdis, n'a pas mon Jésus-Christ. Qu'on ait vu quelque part, et l'on dit semblable à Papa José, dans le bignet, et qu'on s'en a maté la combo à Jésus-Christ. Oh, Nios, et qu'on y a cocotte. Na kati na likambo oyo pour na ko perturber libota oyo nzambe kutana na ye kutana na ye na lobi kutana na ye na nzela soki ya nini nzambe o bakolinga ba sala pour na ko perturber kimia kati na ye nzambe ba olonga te parce que aussi Fils de Papa Lubelani Damaso et de Maman Miezi Lina, tous sont morts. Né dans une famille de 9 enfants, 5 garçons et 4 filles, dont il était le cadet de sa famille. Il était marié par Madame Annette Fundo, père de 3 enfants. Il nous a laissé un garçon, 2 filles. Il fut un chrétien dans l'église, plus précisément Mahanaïm. Il a fait ses études à l'Institut Malala. Il avait obtenu son diplôme d'État. En dehors de ça, il avait fait beaucoup de formations, à laquelle, si nous cherchons à citer, Togolala. Il a travaillé à la société indienne, Socotrack, Car Express, et enfin, pour finir sa carrière, il a terminé à 26 ans. Merci. On doit vite courir derrière le temps. Nous allons passer à l'étape de témoignage. Cher ami José pour le Saint, Zimba pour ses proches et Luindoula pour sa famille. C'est triste pour nous tous qui sommes réunis ici pour certainement te rendre tes derniers hommages. Tes collègues de service, tes amis, ta famille, ton épouse ainsi que ses deux enfants sommes tristes puisque tu as été pour nous un homme sympa, humble, généreux. Et merci d'avoir partagé une partie de ma vie avec toi, puisque notre relation, c'était plus une relation de bon voisinage, mais on était plus devenus famille. Je me rappelle, une semaine avant ta disparition, tu es venu, puisque j'avais fait un malaise, c'était un vendredi. Le samedi matin, vous êtes venu avec votre femme très tôt le matin chez moi pour me dire, hey, « Hé, monsieur, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne vois pas tes enfants? Tu es encore trop jeune, pourquoi t'es soucié pour le travail ?» Mais aujourd'hui, j'ai un sentiment de tristesse, comme si tu m'as menti, puisque tu es la dernière personne, lorsque j'avais fait une crise de tension, venir me dire que nous devons certainement regarder les enfants.
les enfants qui sont encore petits. Chère Annette Foundou, ce que je peux seulement te dire ici, c'est que je sais que le Dieu que tu pries, chaque dimanche, tu te démerdes pour aller à la prière. Ce Dieu-là ne va pas te décevoir. Accroche-toi à lui. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour rendre hommage à notre cher ami et collègue José Louis Ndoula, qui nous a quittés très tôt. Nous sommes tous sous le choc et attristés par sa disparition soudaine. José est un staff précieux de Ben Tizoué. José est un ami fidèle pour beaucoup d'entre nous. José a servi notre entreprise avec dévouement, professionnalisme, humilité pendant nombreuses années en tant que chauffeur, mesdames et messieurs. Nous ne pourrons jamais oublier sa personnalité chaleureuse, sa gentillesse et sa générosité. Nous voulons exprimer nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches. Nous savons que cette perte est difficile, raison pour laquelle nous sommes là pour les soutenir dans cette période difficile. Mesdames et messieurs, José reste toujours dans nos cœurs. Avec José, nous avons formé une famille qui avait bien ciselé pour identité. Facile quand cette personne est en face de vous parce que vous avez la possibilité de voir les sourires que nos mots pouvaient arracher au visage de José. Facile parce que ces mots pouvaient faire exprimer dans son regard l'innocence qui serait l'effet de la surprise que notre amour lui aurait témoigné contre toute attente. Également difficile de parler de cette personne lorsque nos mots coulent ou lorsque nous parlons de lui sous l'effet d'une algie inéluctable associée à une rage âpre contre cette réalité qu'on voudrait bien imaginer pourtant bien réelle, la mort, qui place désormais Louis Ndoula dans une pièce en bois, loin de tout confort qu'on lui aurait offert. Chers collègues Louis Ndoula, amis et surtout frères, tous ceux qui t'ont connu ici présent comme absent, sommes là pour te dire au revoir. Car c'est vendredi 9 juin 2023, l'Éternel s'est souverainement décidé de t'arracher à notre affection. Ton départ nous rappelle les bonheurs que tu as eu à partager avec chacun par ton attitude, ton assiduité au travail et l'amour que tu n'as cessé de manifester à l'égard de tous ceux qui ont eu la chance de te connaître. Et après, quand on regarde des gens comme José comme ça partir à fleur de l'âge, on comprend quand on dit que les bonnes personnes ne traînent vraiment jamais sur cette terre des hommes. À croire qu'il y a tellement de méchanceté sur cette terre des hommes, il y a tellement d'injustice qu'une âme belle comme celle de José ne pouvait supporter de rester longtemps sur cette terre des hommes tellement corrompue et méchante. Je bénis le Seigneur, moi, d'avoir connu un homme comme José. Et je prie que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, les dieux des familles, consolent la grande famille de José.
Il n'y a pas de bateau.
Sakabiso yango. Ba yo sepela ki na bonzambe na yo ozwa papa José Luindula. Ngonga oyo lobaki na maloba na yo te to uta ki na mabele to zozonga na mabele. Yango na napona midi a lelo nzambe to zozongisa nzoto ya papa na biso José na mabele sika yango euta. To bonde libongo la kombo na Yesu Masia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.